Bah, tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo annonce. J'ai mis donc sur ma page Facebook hier soir un petit statut en vous proposant un petit défi et j'ai eu, enfin là je crois que je vais atteindre les 400 j'aime, c'était le but du défi, arriver à 400 j'aime pour valider en tout cas l'annonce sur YouTube. Donc une vidéo où je vais juste vous poser une question, est-ce que vous êtes prêts? En tout cas parce que ça j'ai fait, ça fait 2 jours d'affilée où je vous propose une vidéo sur Le Bon Coin. Je vois en tout cas que ça plaît énormément, que beaucoup de gens me posent des questions et qu'en plus de ça on m'a proposé de faire un défi. Ce défi là je l'ai demandé donc sur Facebook et ça a été validé entre guillemets, puisque ce défi c'est de partir avec une certaine somme d'argent sur Le Bon Coin et de tout simplement arriver à se faire un maximum en fait de bénéfices et arriver à voilà se faire voilà la plus grosse somme possible. Donc ce qu'on m'a proposé, enfin en tout cas ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez que je sorte une série de vidéos en fait sur Le Bon Coin où je vais faire une vidéo en fait où je pars avec une certaine somme d'argent, donc soit c'est 100 euros, 50 euros, excusez-moi. Donc ça va falloir me le dire dans la barre des commentaires si vous voulez que je parte avec 50 euros. C'est un vrai billet, ne vous inquiétez pas, hein. Soit je pars avec 50 euros, soit je pars, donc attendez, je vais prendre mon billet, mes billets, ou soit je pars en fait en gros avec eh bien 100 euros sur Le Bon Coin et j'essaye de faire un achat. Après de le revendre plus cher, etc. etc. Donc, dans mon défi, en fait, ce que je vous propose tout simplement, c'est vraiment, je trouve que c'est sympa, c'est vraiment arriver à se faire un maximum de bénéfices. Et entre guillemets, lorsqu'on atteint un certain chiffre, donc 1000 euros de bénéfices, eh bien, je vous ferai une vidéo, bien sûr, bien entendu, et je vous demanderai carrément est-ce que vous voulez que j'arrête ici? Donc, en gros, je partage la somme d'argent donc avec vous, donc va falloir me suivre tout au long. Donc, en gros, si je me fais 1000 euros de bénéfices, c'est-à-dire que je vais mettre 500 euros de cadeaux à gagner donc pour mes abonnés, et moi je vais me garder 500 euros, on se fait moite-moite, voilà, moi je trouve sympa, comme ça moi je garde pour mes études et tout, et donc, ou alors carrément je pars, vous voulez que je parte avec 50 euros donc ça va être un peu plus difficile à 50, mais beaucoup de gens m'ont demandé à 50, donc je pense que c'est une meilleure idée que partir avec 100 euros, ou je pourrais même partir avec plus, pourquoi pas, mais je trouve que c'est moins intéressant. Avec 50 euros, ça va être un peu plus difficile, j'ai jamais fait ça auparavant. Je suis toujours, je crois, parti un peu plus à 100 et quelques euros. Donc 50, je pense que c'est vraiment un défi. Et en gros, à chaque fois, si vous voulez, on va partager cette somme d'argent là. Moi, je trouve que c'est drôle, c'est un petit défi sympa. C'est à dire que là, on voit 50 euros. Si je pars vraiment avec 50 euros, et bien ça veut dire que là, déjà, vous avez 25 euros. Hein, vous voyez, mais en tout cas, voilà, c'est à dire qu'on fait toujours moite-moite. Par exemple, ici, il y a 50, donc ça veut dire que moi j'ai 25 et vous avez 25 et on commence de là. Ou alors on commence avec donc 100 euros, hop, donc 100 euros et en gros vous avez 50 et moi je pars avec 50, donc on essaye de faire un maximum de trucs avec 100 euros ou 50 euros. Donc ça me dit dans la barre des commentaires. Donc lorsque je sortirai une vidéo, ce qu'il faut savoir c'est que dans la vidéo il y aura l'achat d'un produit, d'un smartphone ou quelque chose que j'arriverai à trouver à 50 ou 100 euros, ça dépendra de vous, et après il y aura la revente aussi en même temps. Donc dans une vidéo ça sera assez complet, il y aura l'achat et la revente, et si je me serais fait finalement du bénéf et combien d'euros j'aurais pu me faire en bénéf. J'aurais bien aimé, moi on va voir, si je pars avec 50 ça serait bien 30 euros au moins. Ça va être un peu long c'est sûr si je pars avec 50, ou pendant peut-être 2-3 vidéos de suite, ou ça va être un peu difficile, mais après normalement ça devrait augmenter un peu plus rapidement par la suite. Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que je vais aussi vous faire participer dedans. Peut-être vous pouvez aussi m'aider dans la barre des commentaires si vous avez des produits que vous me conseillez à 50 euros que je pourrais éventuellement revendre, etc. etc. Moi je pense que ça peut être intéressant, il n'y aura aucune tricherie avec ça, hein, sachez-le, moi je le précise quand même, c'est-à-dire que je ne vais pas tricher, je vais pas acheter un truc qui coûte finalement un peu plus de 50, etc. etc. Je voulais vous montrer encore une nouvelle fois ce que j'ai pu m'acheter, hein, puisque vu que j'ai parlé de Le Bon Coin, moi je voulais squatter un peu quand même Le Bon Coin pour me faire une bonne offre, et qu'ici à 50 euros j'ai pu me trouver un super bon petit PC Asus. C'est sûr que voilà, c'est peut-être pas forcément le meilleur achat au monde pour 50 euros, mais il est neuf et il est en, bah forcément il est en super état, hein, il est même pas abîmé, même pas rayé, etc. etc. Donc pour moi en tout cas pour 50 euros c'est une très belle affaire. Donc
Ce que je tenais aussi à préciser, c'est que ça va pas être forcément très facile pour moi. Je vais essayer de faire mon maximum. Que aussi, une petite chose, c'est que moi, en même temps, je vais avoir, je vais avoir mes études, mes trucs comme ça. Donc, si vous voulez, ça va pas être très très rapide, quoi. Je vais essayer vraiment de le faire le plus rapidement possible, mais que, voilà, j'ai aussi des contraintes où j'ai des choses à faire à côté. Donc, je pourrais pas me mettre à 100%. C'est pas comme si, par exemple, là, pendant un mois, je suis en vacances. C'est sûr que je pourrais arriver à faire beaucoup plus rapidement, eh bien, le processus un peu où, faut acheter quelque chose, le revendre. Mais en tout cas, je pense que ça peut être quand même assez rapide et je peux essayer de vous proposer quand même des choses intéressantes, que ce soit avec donc 50 euros ou 100 euros en gros. Je peux quand même commencer à faire des belles petites choses et vous montrer en gros petit à petit, chaque étape pour finalement arriver à faire un maximum de bénéfices. Donc ça, moi franchement, ça me fait c'est un défi pour moi, ça m'amuse, et que peut-être pour vous, ça va vous amuser de me regarder et de voir à peu près est-ce que je vais y arriver finalement ou pas. Le but là, vraiment l'objectif principal, c'est 1000 euros, mais va falloir se donner des piliers où avec 50 euros, le but ça sera d'arriver à environ 150 euros, après 300 euros, après 450, voilà, tous les 150, ça sera quand même une étape, et je pense que c'est quand même déjà bien si je pars de 50 et d'arriver à 350 euros. Donc vraiment, à chaque fois, on va diviser cette somme d'argent par deux. Ça veut dire que si je décide d'arrêter, ou vous décidez vous-même dans la majorité des commentaires qu'on arrête cette série-là, eh bien, par exemple, imaginons j'ai 400 euros de bénéf ou 300 ou 200 euros de bénéf, on arrête là, je fais 100 euros, par exemple, si c'est 200, eh bien, je fais 100 euros de choses à gagner, par exemple, vous choisissez, ou je sais pas, des points PSN, Xbox Live, ou carte Steam, ou carte iTunes, par exemple. Je pense que ça peut être des jolis petits cadeaux. Et moi, vraiment, mon but, c'est d'arriver à 1000 euros. Et à 1000 euros, je ferai une vidéo spéciale, j'espère en tout cas arriver à 1000 euros. C'est vraiment de vous proposer après, est-ce que vous voulez que je continue à essayer de faire du bénéf? Mais attention, peut-être ça va pas marcher ou pas, hein. C'est ça le truc, c'est peut-être que je vais y arriver ou pas du tout. Ou on partage les sommes, moi je prends 500 et vous prenez 500, voilà. Moi je pense que c'est intéressant. Bon, c'est vrai que c'est jouer un peu avec l'argent, c'est pas forcément bon, mais bon voilà. Et puis on m'a dit ouais, c'est pas forcément très très bon, etc, etc, mais la plupart des personnes étaient contentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va acheter des choses, des produits dans une boutique, c'est qu'ils font beaucoup de bénéfices. Moi je suis une personne, je suis un gars particulier, par exemple sur le Bon Coin, et que forcément je suis pas, moi je me vois pas quelqu'un dans le mal, en fait, voilà. Si vous voulez, parce que il y a des entreprises qui vous font qui nous rendent un peu consommateurs, comme je dis à chaque fois, et qui font vraiment une grosse mais grosse marge de bénéf. Moi je trouve que ce que je fais là, c'est plutôt un défi sympa, voilà. C'est un petit truc qui change un peu, et je trouve que il y en a eu dans la barre des commentaires qui ont eu des bonnes idées là-dessus. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire cette petite série là. À vous de décider, 50 ou 100 euros, ou si vous voulez que je ne fasse pas ce défi, dites-le moi dans la barre des commentaires, ça y a pas de souci. Donc un maximum de j'aime et tout. Et puis de toute façon, je pense que je commencerai à chercher à quelque chose à 50 euros. Mais je vous dis rien pour l'instant. On se reverra pour une prochaine vidéo, en tout cas si cette vidéo vous aura plu. Et je vais essayer de trouver quelque chose et de le revendre et de vous le montrer dans la vidéo. J'essaierai de tout filmer, que ce soit les appels téléphoniques et tout. Je vais essayer. Ça va pas être facile, parce que si on m'appelle comme ça, je sais pas moi, à 18h30 en disant je suis intéressé par votre annonce, j'ai pas le temps d'enregistrer. Faut comprendre, hein. Et des fois il y aura des moments où je peux pas vraiment enregistrer, c'est j'ai pas le temps. Je peux pas, le gars il m'appelle comme ça, je peux pas attendre juste 2 minutes, je enregistre, enfin voilà, je peux pas faire des trucs comme ça. Ouais, merci beaucoup les gens, puis je vous dis à la prochaine. J'espère en tout cas cette annonce vous aura plu. Dès demain il y aura des vidéos habituelles, comme je le fais habituellement, hein, c'est tout con, hein, breaking news et tout, ne vous inquiétez pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out. Et juste préciser une petite chose, une dernière chose, c'est qu'en fait tout cet argent là, je vais le mettre de côté, je le placerai dans une sorte de petite boîte métallique que je vais trouver quelque part chez moi, hein. Ça doit se trouver, ça. Et en gros, à chaque vidéo, je sais pas, je peux vous montrer les billets ou un truc comme ça pour rigoler. En tout cas, cette somme d'argent, si vous voulez, ça sera vraiment mis de côté. Hein, ça sera pas, je vais pas tout mettre à ma banque ou je sais pas quoi. Ça sera dans une boîte où je vais tout vous montrer, peut-être à chaque fois, je ne sais quoi, pour vous montrer en fait l'évolution. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va démarrer avec 50. Faut être positif, quoi. Faut vraiment être positif dans ce genre de truc et essayer de vous montrer l'évolution. J'espère qu'il y aura une évolution, sinon, ça serait très con de ma part. Voilà. Merci à vous et les gens, j'espère que votre entrée s'est bien passée. Bonne soirée.